Sauf que ce soir, je serai Dieu de la chair. Donc, je n'ai pas de micro, pas la leur, ni de pointeur. Est-ce que le pointeur est prêt? Chers amis, comment nous? Très bien, grâce à Dieu. Nous remercions le Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour ses grâces envers nous. Pour tout ce qu'il nous a toujours donné, pour le fait que nous pouvons être sûrs qu'il prendra toujours soin de nous. Nous sommes nés pour le bonheur, c'est ce que nous avons dit dès le commencement de ce programme. Et dès le commencement de ce programme, il était question pour nous non seulement de comprendre ce que c'est que le bonheur, mais dans une large mesure de savoir comment ça fonctionne. Nous avons cheminé, nous avons fait au plein et nous avons bien compris que ce n'est pas nécessairement très facile tout ce que nous devons comprendre concernant le bonheur. Mais grâce soit rendue à Dieu, bon Dieu pour cet esprit-là, pour permettre que parole qu'a dit, qu'a dit d'une façon que nous sommes capables de comprendre, nous assimiler et très bientôt nous espérer capable de nous en application. À soyez, nous allons continuer des démarches que nous commençons à la vérité de nos dimanches, mais de façon particulière que nous commençons hier soir. Et permettez-moi de vous poser une question d'après vous. Papa, d'après vous. Ce qui s'est arrivé hier, le titre du message de hier, c'était quoi? De hier soir. Comment ça marche? Le bonheur, comment ça marche? Mais ce soir, c'est la suite. Nous allons voir à quoi ça sert. Il y a un moment pire à la concernant le bonheur là. Mais là, nous allons voir qui avantage, moi-même, qui dividende, qui gagne, les que le monde adopte le mode de vie de la personne heureuse. Quand nous choisissons de vivre heureux, c'est quoi les avantages? C'est très important de le comprendre parce qu'en fait, si on fait tout investissement, ça a causé ça et puis nous ne connaissons pas l'importance que ça a pour la vie. C'est peut-être bien perdu. Il y a un monde de cela qui est intéressant qui dit que j'ai choisi de vivre. Moi-même, j'ai choisi de vivre. Heureux parce que nous va changer. Parce que okay, exactement. J'ai choisi de vivre heureux parce que c'est bon pour ma santé. Nous l'oublions. Et c'est qui a dit ça encore? Voltaire. Dame, on est qui se crée pour bien pour faire nous parler. Je ne sais pas si je vais parler de Voltaire. Vraiment pas, mais ça s'appelle, ça trouble, ça perturbe, j'ai l'impression que ça va me dire pas intéressant. Quoi qu'il en soit, vous connaissez que nous là, et vous remerciez nous pour attention. Ok? Nous allons ce soir voir à quoi sert le bonheur, quels sont les avantages à être heureux. Alors, nous t'ai dit à l'heure que c'est continuité, ça nous devait hier. Idéalement, il faut que tu fait un petit repasser sur ça, nous t'ai dit hier. Mais la vérité est que nous avons tellement de choses à dire ce soir, hein, que nous vraiment pas t'aimer mérité trop longtemps, que nous ne pouvons pas trop arrêter ce soir. Je me félicite en pile, parce que moi, dans pile, monde qui toujours prend note chaque soir. Et vous faites très bien, il faut prendre des notes. Sauf que ça qui dit, ce n'est pas notre cahier à regretter seulement, il faut l'entrer dans la tête nous, et là nous finissons bien macérer dans la tête nous, il faut nous permettre de descendre dans le cœur nous, pour être capable de transformer la vie. Donc nous ne pouvons pas retourner sur ça hier, mais songez seulement que l'un de la biomécanique, la psychobiomécanique du bonheur, nous devons être dans quoi nous, une série de produits, une série de mécaniques, une série de outils que nous fabriquons pour être capable de nous bien-être, pour être capable de nous. Bonheur, et lorsque quatre bagages ça on mettait ensemble, va où? La dose. Okay? On est intelligent, chaque minute il faut le mettre.
Ok, Lazare? Et ça a dit. Mais nous te disons que ce n'est pas seulement dans le corps que ça passait aussi dans la tête. Et nous étions ensemble, ouais, c'est un certain nombre de choses qui te permettent de nous capables d'évaluer notre attitude au bonheur, capacité que nous sommes capables de gagner pour nous vraiment, vraiment heureux. Je dis à nous allons continuer sur le même foulé, ça veut dire que hier que ces deux jours que ça a pris, vous m'expliquez dans l'aspect ça. Et dans toujours dans l'aspect psychologique, là, il y a plusieurs bagages, c'est pour même mis bien à comprendre un certain nombre de choses. Parce que, en fait, en général, comment j'ai produit cette partie, je dis que bon Dieu fait nous être capables heureux, bon Dieu mettez-nous sous terre pour capable vivre heureux, il va nous paquet d'ingrédients, un paquet d'outils, un paquet de compétences et capacités pour nous capables heureux. Mais bon bagage qui nous est, malheureusement, nous sommes de formidables machines à fabriquer. Et c'est ça qui est dommage. Autant nous avons une possibilité pour nous connaître et vivre une vie heureux, nous sommes une formidable machine à fabriquer notre malheur, la cause aujourd'hui et la continuer également demain si Dieu veut. Parce que demain si Dieu veut, on a très bien aimé le programme. Dans tout le monde qui voit le programme, nous disons que ça veut là. Parce que demain si Dieu veut, nous allons avoir une question très difficile. Peut-on vivre heureux en Haïti? Madame, vous dites ça? Peut-on vivre heureux en Haïti? Donc demain soir, c'est ça, nous voyons. D'abord, c'est pas raté demain soir. Parce qu'en fait, je tiens à commencer à atterrir, mais pas c'est demain soir. D'abord, atterrissage qui est probablement plus. Ok? Maintenant, nous disons, nous allons regarder pour elle, à qui ça lui servit, mais pour finir, formellement finir avec les présentations hier, non. J'en ai vivre, j'en ai fonctionné, nous fonctionner de façon à ce que nous fabriquions propre malheur, nos propres désarrois, nos propres tristesses, nos propres douleurs, nos propres détresses, etc. Une façon que nous fabriquons, c'est quelque chose qui est très important. Je ne sais pas si je vais pouvoir bien vous l'expliquer. C'est quelque chose qu'on appelle l'encodage mémoriel. Encodage mémoriel, peut-être pas nécessaire pour changer l'expression ça, mais en fait, il faut savoir que moi-même avec nous, pratiquement tout ça nous vivre, tout ça nous qui passait dans la vie, nous, gonjons nous et nous mettons dans la tête, nous mettons dans la tête, nous mettons dans la tête sous forme de ça, nous, expérience, sous forme de ça, nous, souvenir. Ok, un souvenir. Un souvenir, mais en fait, souvenir, ce n'est pas quelque chose qui c'est pas quelque chose qui. Non, vie ou qui n'a pas d'impact sur la vie, c'est quelque chose qui au contraire n'a plus d'impact dans la vie. Pratiquement chaque fois on fait beaucoup sur vos pas conscients, ou aller en dedans même pour remonter toutes les mémoires pour gagner, pour apprendre comment vous gérer, causer ça. Maintenant, il se trouve que en codage mémoriel, il est très important dans la question stress que tu as parlé hier. Nous avons parlé de stress. Nous t'avons dit que stress, c'est ce qui s'allie déjà. Sans vous parler. Mais c'est qui s'allie? Qui s'allie? Nous avons parlé français. Dites qui s'allie pour comprendre que vous t'avez dit que c'est stress. Et après, nous qui s'allie? Est-ce que nous avons dit? Nous avons dit. Parlez-vous de cette réponse encore une fois. Oui, si vous-même nous pouvez m'attirer. Un réflexe qui permet de faire une bonne réaction. Exactement, c'est ça qui permet une bonne réaction dans le danger, merci beaucoup, bonne réponse. Mais qui s'allie exactement? Vous dites qui s'allie qui permet de faire, mais qui s'allie? Nous, une passager, c'est très important. C'est une réaction qu'on a, pas que pour la vérité, c'est une réaction que ni quoi, ni l'esprit ou gagner, mais que ou non, situation donnée, une situation. Une situation difficile. En fait, vous dites deux bagailles. C'est réaction que corps, que vie ou que même, principalement corps gagné, les liens face aux situations de danger ou bien aux situations qui contrarient. Vous dites ça? Soit une situation de danger, soit une situation qui contrarient, parce qu'en fait, contrarier n'y a pas nécessairement de danger. On est bien d'accord. Ok? Mais c'est là qu'un codage mémoriel là, il est important pour nous comprendre. Causer contrarié là, lycée, il joue un fondement dans le codage mémoriel. Parce que la vérité, qui s'est contrarié au monde? Même des fois, il s'est barré avec la contrarié au monde.
Mais qui s'est contrarié à ça? Le fait que papa Léo et moi sont contrariés pour. Donc, vous ne pouvez pas être capable de contrarié contrariété pour. Mais comprenez tous deux exemples, ça y est. La PC explique sa contrariété. Il y a besoin de comprendre très bien le codage mémoriel là parce que c'est très important. Par exemple, un bon exemple, frère, qui dit qu'il est en retard dans l'ambassade américaine. Perdu ambassade. Il n'a pas ambassade. N'importe quelle ambassade. Nous n'avons pas ça. Ok. Donc, oui, il y a un retard, le parti de rentrer ou pas jouer un rendez-vous, etc. Et ça pose une contrariété. Maintenant, moi, même si tu as accéléré encore une fois, nous avons dit, il pose une contrariété, c'est parce que plein côté gagné par rapport à l'ambassade là, ok? Plein côté gagné par rapport à l'ambassade là, il contrarie. On est d'accord avec ça. Mais si vous imaginez que vous ne pouvez pas contrarier parce que. Comment vous expliquer, même des gens qui ont un exemple moi-même. Il y a quelques mois, moi j'ai gagné le division interaméricaine, il m'a demandé de m'aller chez lui en Guadeloupe. Moi j'ai très envie à Guadeloupe et à parler avec mes frères, etc. C'est une grande foi que nous allons prêcher en français, nous pays par pays. Si c'est en général, c'est en anglais ou bien en espagnol, mais ça coûte très content, bien longtemps, depuis le besoin de connaître les petites Antilles, etc. Même au moment où on est pour partir, pas fait bien du tout. Pas fait bien parce que c'est un paquet de bagages. Donc, malgré moi, contre moi, mon petit papier, etc., même arrivé dans l'ambassade là, à la fin, je n'ai pas arrivé trop tard, mais les privés ont dit mon petit mauvais papier. Donc, finalement, on va pas me dire ça. Très franchement, par contre, là. Parce que je vais arriver bientôt, on me dit que je vais faire tout les fois pour venir, mais pour nous arriver bien. Ok? Donc, pour un même événement qu'à côté de moi, d'ailleurs, il y a un paquet de notes de côté qui était vraiment prié parce que, fait pour raison pour une autre, il n'y a pas de visa. Mais moi-même, je n'ai pas de visa non plus. Mais ça va contrarier. La fille, donc, pour être événement en lui-même, pourquoi est-ce que ça dit? Ok. Oui, j'ai. On va dire un bagage. En fait, la première chose que vous comprenez, c'est que. En fait, quel que soit le bagage ou vivre dans la vie, vous pouvez intégrer la caillou comme un souvenir, comme une expérience personnelle. Expérience qui est capable positive ou bien expérience capable négative. Par exemple, pour le monde qui a une expérience spécifique avec ce soir, les petits, pour exemple, ce soir, les petits, chaque fois que vous avez ce soir, il est pour un jeu bâton. Donc, même les vies de grand monde, mais elle a vive expérience sur ce pas blanc, de la façon dont elle était codée dans la mémoire, c'est une façon négative. Vous comprenez? Je vous explique tout ça parce que, en fait, il faut savoir que dès notre enfance, nous encodons toute expérience que l'on fait. Mais il se trouve que le plus souvent, nous encodons l'expérience de façon négative. Par exemple, l'aide des petits ont été mettés nous à genoux, les nous font bagage que nous pas content. Donc ce qui fait que les nous grands, pour nous rentrer à l'église, nous prions, nous mettons nous à genoux. Quel monde si on est fait un pile mauvaise expérience à genoux, hein? Chaque fois qu'il est à genoux, regarde vis-à-vis de prière, c'est qu'on regard joyeux de lui. Je reprends exactement ce que je veux dire. C'est très important de le comprendre. Moi-même avant les nous à genoux, on a prié papa pour Dieu, nous content. Je suis dans la joie, on dit la même, quand on me dit, allons à la maison de Dieu. Mais c'est imaginer un petit monde chaque fois pour l'église, c'est bâton qui jette, bâton qui levait pour vivre l'église, expérience ça par l'expérience qui traumatise lui, et j'en prends le code d'expérience ça dans mes mémoire, il prend mon code négatif que je prends là. Ça veut dire chaque fois qu'on fait expérience là, même là, elle va prendre un bâton aujourd'hui, hein, mais la vivre lui comme si c'est bâton qui est dans l'église. Et donc causer les disants par intéresser. Vous comprenez? Donc on connaît le mémoire la très important parce que en fait, dans l'apprentissage que l'on a fait du bonheur là, je vais vous.
connotation positive. Il y a des monde, des jeunes filles, des femmes qui font expérience. Première expérience que fait avec garçon, c'est une expérience de brutalité. Quoi me dit écrit pour nous dire brutal, ok? Eh bien, pour ça, il y a moi, avec le monde qui rue, même qui remet, il n'est pas capable de vivre l'expérience de façon douce, de façon agréable, dans tout le monde dans le vivre. Donc vous voyez comment ça, ça a une importante question et un modèle mémoriel. La deuxième modalité de dose là, elle est très importante pour nous comprendre. Deuxième modalité, et ça nous parle de nouveau elle encore, donc on peut aller l'effet miroir. Ok? Effet miroir. Vous comprenez pour ça? Effet miroir là, c'est une capacité que bon Dieu va avoir pour que l'on bon monde en face ou petit à petit, surtout si vous venez en harmonie avec le monde, ou vite petit à petit, vite faire même bagaille. Deux mouns aimés, après deux mois, après trois mois, vous pouvez parler même gens, vous faites même geste. D'ailleurs, vous n'avez pas même besoin de deux mouns qui aimaient, deux amis, vous faites même geste, vous parlez même gens, c'est l'effet miroir. L'effet miroir, là, c'est un effet qui est capable immédiat. Et nous connaissons très bien, par exemple, quand il y a regardé le football, il y a regardé le football là, et puis par contre, joueur là, on voit un là, et pour amener n'importe quel de la gagne, il fait comme ça. C'est l'effet miroir. Mon Dieu, mettez capacité ça pour capable d'entrer en relation avec le monde. Et dans quatre effets miroirs là, c'est comme si on bloque tout ensemble avec le monde. Dans ça, on en fait ces mêmes bagailles pour faire également. Donc, c'est deuxième modalité de dose. Modalité, ça n'est pas très important parce que plus on vit à côté du monde qui est heureux, plus on peut. Nous allons dire avec vous. Nous allons dire avec vous. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Nous allons dire avec vous. Amen. Effet miroir là, qui ça le fait, il fait que plus on vit par côté de monde qui est heureux, vous arrivez. Oui, oui, les versets sont aussi vrai. Plus on est heureux, plus on prend le monde qui va côté. Oui. Mon Dieu est clair, mais donc pas quel malheur pour faire que le bonheur là, capable de contagieux, l'air heureux, vous capable. Mais on va parler comme de lui parce que lui est assez interne, en fait, son air qui est assez particulier, qui est très spécial. Mais en fait, c'est lui-même qui fait que l'homme pense en bagaille, l'homme vit pour émotion. Et puis il traduit en question comme il y a un peu de monde qui connaît l'expression, ça l'air parler de maladie psychosomatique ou bien expression psychosomatique. La plupart des effets psychosomatiques, c'est nerf vague là qui est responsable de lui. C'est nerf vague qui fait que leur peur, ouais, font tout bruit. C'est nerf vague qui fait que leur peur, cœur commence à battre fort. Qui transforme les pensées à qui parle de la vie matérielle en réaction matérielle. Ok? C'est nerf vague qui est responsable de ça. Donc, si vous regardez deux bagages, ça vous montre que vous de bonheur et de sentiment, et on a parlé de ça qu'on gagne en termes de relation avec l'autre. On a continué toujours au niveau de modalité de la dose. Ça veut dire comment vous faites pour que Gambil dose qui a sécrété dans la vie, qui a sécrété dans le sang régulièrement, il y a une bagarre qui prend le bail, secret sa plus. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous songer. Sur 75 ans, il y a une étude longitudinale, la plus grande étude longitudinale sur le bonheur, la pas connaît si il y a une autre qui fait déjà, qui fait par Harvard University, qui est d'ailleurs Harvard la Pédas Study. Harvard University, pas besoin de qui s'allier, c'est une, non. En fait, cinq plus grandes universités qui sont sur la terre, c'est parmi les plus prestigieuses. Okay? Paquet président des États-Unis, paquet président d'Haïti aussi. Pas qu'être pour ça avec que vous connaissez dans la vague de passé. Donc, depuis la vague, vous parlez tout le monde. C'est pas nous qui nous jouons avec la science. L'air travaille. L'air fait des prêts, c'est monde sérieux, cap travail. Ça fait, c'est lui-même choisi pour nous. Et bien, avant l'université, il fait une étude longitudinale, 75 ans. Et premier coordonnateur étudie ça. Si tu dis 75 ans, tu peux imaginer que c'est le coordonnateur. A fait tout le temps. 75 ans, 75 ans, il est dans mon hôtel. Premier coordonnateur, ils sont docteur Pelé. Docteur Robert Wadibre. Wadibre fait étude là, à peu près 25-30 ans. Monsieur prend retraite à la Cali. Et puis monsieur qui a fait étude, un journaliste, qui vient côté Docteur Wadibre. C'est Docteur Wadibre. Pendant 30 ans, on a suivi 700 monsieur, ça. C'est 700 monde. 700 monsieur. Il prend au début des étudiants à Harvard, c'était des étudiants de Harvard. Et puis il suit le pendant vieux. Vous pouvez imaginer que pendant 35 ans, ça n'a pas grave qui passait. Homme de travail qui passait, monsieur. Il
Yo fini étudio, ensuite yo marié, yo gen ti moun, y a travay, yo voyage, gen ki toune minis, gen ki toune etidale, oui, yo d'accord ça? Donc pendant 35 ans que lui-même li tap suivi, yo li wa tout bagay. Et étude nan jen te fait, étude nan va très compliqué. Yo ti monsieur yo, vive j'en ouvre, vive la vie pour ça. Nous pas mener nous faire un lien de spécial, c'est ça nous mener nous, chaque jour, chaque fois, on va dormir et puis tout ça te fait pendant la journée. Tout ça te passe dans la tête, tout ça te fait nous tout ça te fait nous mal, et puis il faut papier, et puis bah, c'est ça nous mener. Sous la tour, on ne va pas nous répondre à tout le monde. Juste dis-nous que je t'ai appelé à tout le monde. C'est ça seulement nous mener au faire dans l'étude. Donc, monsieur connaît tout ce que fait pour nous, qu'il est occupé maintenant, qu'il est occupé, qu'il est occupé, qu'il est tout le bagage net de monsieur. Les journalistes ont demandé, et tu dois faire son étude sur le bonheur. Pourquoi tu vis comme ça très bien en détail? Est-ce que c'est nous-mêmes qui ont dit que nous avons dit que nous avons et qui permettent que tel monde a vivre heureux et tel monde pas vivre heureux? Tel monde a vivre bien, tel monde pas vivre bien. Et c'est mon bagage, c'est mon chrétien, et c'est mon secret qui fait la différence. Ou bien c'est tout simplement pour ça, c'est la chance. Qui décide que un tel a vivre heureux, un tel va vivre heureux, Dieu lui est en misère seulement pour vivre, etc. Qui? Et c'est mon secret. Et c'est bien une différence. C'est tout la femme. Vous dites non? Donc, monsieur répond que tout le monde a pas tant que il dit pas d'aucun secret, c'est juste la chance. Sous une chance, on vit bien. Tu n'as pas de chance, tu vas vivre bien. Tu as dit oui pour lui. Il y a une différence. Tout le monde qui pendant l'exil, c'est des gens qui vivent heureux, qui vivent bien, qui mourent, qui prennent plus de temps avant de mourir, et qui bien gèrent les familles, qui ne partent pas divorcer, etc. Ils ont un secret. Je dis, monsieur, c'est vrai, mais qui secret lié. Et puis, monsieur, la question, j'ai bien parlé de vos études scientifiques, très sérieuses, qui a suivi dans le monde. Je dis, mais une différence qui est entre tout le monde qui vit bien et tout le monde qui vit bien, je pratique les modalités suivantes. Merci. La suite, je pratique les modalités suivantes. C'est des personnes qui pratiquaient le beau, le bon, le bien, le juste, le vrai. Ça ne dit pas ça. Même capable de former
Parce que pour qu'on ait atterri, il faut aller dans l'environnement ça. Parce que bon Dieu, c'est pour ça qu'il crée. On dit amen. Amen. Dimanche dernier, j'ai essayé de parler de théorie de l'évolution. Avec aucune façon, par aucun théorie scientifique matérialiste qui a expliqué ça. Si ce n'est que son bon Dieu est l'homme qui crée. C'est seule façon d'expliquer. Donc, modalité de la dose, c'est ça, l'amour, et puis pratiquer le beau, le bon, le bien, le juste, le vrai. Et juste pour pouvoir faire transition, je peux vous dire que, à la vérité, les deux prochaines semaines, ces bagages, ça va détailler pour nous. Parce qu'à partir de dimanche prochain, nous allons vous donner 12 prescriptions de Dieu pour le bonheur. Semaine, ça va essayer de montrer, nous, j'aime bien de l'important. Qui ça, la science dit, qui ça, la Bible dit de ça. Mais à partir de semaine prochaine, à partir de dimanche prochain, direct. Dans la 12 prescriptions, bon Dieu dit que vous pouvez faire tel bagage. Amen. 12 prescriptions. Et c'est ça quoi, ça t'a dit à la vérité, et t'as continué. Maintenant, non, même quand c'est le bon, le bien, etc., l'homme était pour ça qu'il y a un petit peu abstrait, ou qu'il pas, si tu ne vois pas comment vous faire avec ça. Il y a un docteur Martin Seligan, qui est pour libérer les fleuris, fleuris, ça veut dire fleuris, hein, qui dit que, avec qui créer une musique, en anglais c'est PMA, mais là, traduit, moi c'est PMA, ça animal, qui dit que, mais qui t'a fait pour développer, pour capable gagner, entrer dans ça que le docteur a dit, hein, et que moun qui voulait vivre, et que pour vivre, il n'a pas pour vivre, heureuse ou vie épanouie, il faut que premièrement des émotions, comment? Les émotions comment? Positives. Il faut cultiver les émotions positives. Ok? Cultiver les émotions positives. Ça veut dire que qui pour apprendre, faire en sorte que vie est capable d'avoir la possibilité pour être capable d'avoir une attitude mentale positive, tout à l'heure, on va retourner sur ça, pour être capable positif dans la vie. Nous avons un monde tout le temps figure bien fermé. Nous sommes toujours mauvais, tout pareil pour sérieux pour nous. Ou bien, parce que si nous avons, est-ce que nous avons une réserve de vie? C'est très important. Et d'ailleurs, moi-même, moi, bien placé pour dire, parce que quand je dis ça, jusqu'à ce que je prenne madame, moi, c'est pas de l'en fait, jusqu'à ce que je prenne madame, moi, je te connais comme quelqu'un avec le visage fermé. Je te connais dans l'université avec vous, mais la personne, je dis, il faut qu'il est toujours mort si lui-même. Mais ça, ça te dit. Donc, il y a beaucoup comme ça qui, par aimer cultiver les émotions positives. Engagement. Pour heureux, il faut engager mon bagage. Ça veut dire qu'il faut engager mon bagage. Tellement intéressé à la bagaille là que l'enfer va nous le temps à passer. Ou encore mon côté, et puis, bah, on est, bah, y a tellement de millions, ou est-ce qu'on est qui n'est pas bah, la fin, c'est même le téléphone, ou la tibou l'école, et puis on se lève à cette tout dit, ouais, tellement content, récréation, l'école l'a fini, nous sommes dans le prison. Ouais, donc, c'est pas un bagage qui a un engagement total là-dedans, mais engagement, soit son travail, travail à l'engagement là-dedans. Mon travail. Bon, évidemment, comme on a dit, pas qu'on a du travail. Mais même si on a un travail, vous parlez, mais si on n'a pas un travail, la faire la bonne école, je ne suis pas aimé. Même tes quoi, expérience qui était dans l'air, qui manquait. Il y a plus d'expérience. Non, expérience qui est capable de pas toucher nous. Il y a aux amis, moi, Adventiste, et monsieur dit que tu as travaillé dans le factory. Tu es une superviseur dans le factory. Et puis, que y l'autre superviseur qui est toujours dans le factory, hein, mais depuis le petit groupe, mon petit l'ancien temps qui nous lit, que le papa obligé à bailler blanc, bailler pas pour moi, ouais, monsieur, des fois même manger, pas manger, je pourrais prendre du talent et de la force. Depuis mon petit groupe de temps, je ne sais pas, j'aime bien bailler ça. Quel que soit si tu avec la guerre, tu as la bailler blanc, etc., parler de filer, monsieur, il plongeait sur guitare, la foule guitare. Ce guitare, 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 c'est toujours pour ça, il va bailler blanc, fou, il prend plaisir sur monsieur, tu sais pas qui peut. Tu as joué guitare. On l'est arrivé, tu es lancé le premier album. Album dans un gros succès, et puis ça va jamais donner la facture. Comme bien exhalé, Julien Jamais. Je dis, mais pas jamais oublié la raison. Chaque coup, monsieur, votre petit coup de temps, il plonge sur votre son d'aller jusqu'à ce que les jeunes voient. Les jeunes bagailles, la vie faire. Sous pas mon bagaille, on ne peut pas perdre ton temps. La vie, en plus, la vie sous la tête, on se la vouer, par la grâce de Dieu, toute la normalité, c'est ça. Combien on a pas le ciel? C'est sérieux?
situation de vie heureuse. Dès qu'il fait ça pour nous, le malentendu, le malentendu avec le bonheur et que les gens pensent que être heureux, c'est toujours être dans une joie béate, être content tout le temps, avoir le sourire en tout temps, ce n'est pas ça être heureux. Une vie riche, c'est prendre le bon avec le mauvais et apprendre à redessiner le mauvais, en disant amen à Dieu. La vie heureuse, la vie riche, c'est pas tout le temps. Heureux, ou bien est-ce que c'est leur heureux?